salut à tous et bienvenue sur votre temps pour l'épisode 9 de Pokémon Ruby Destiny Life of Guardian. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après la petite séance d'XP où j'ai entraîné tout le monde niveau 35. Puisqu'aujourd'hui nous allons faire évoluer notre Reptincelle, c'est décidé. Voilà, aujourd'hui je ne quitte pas l'épisode tant qu'il n'a pas évolué. Donc nous étions arrivés à Boulder City, une ville totalement contrôlée par la team, enfin par la Dark Organization. Et donc nous devions sauver Boulder City avec les habitants qui nous avaient donné rendez-vous dans le dans l'arène pour aller détruire leur boss. Donc c'est parti, on y va. Excusez-moi. J'ai fait un petit truc avant de venir, et je crois que courir n'a pas été la bonne solution. Allez, on est revenu. Toi encore? Comment t'es-tu échappé? Bah, ça m'intéresse pas. On t'a déjà eu une fois, alors on peut le refaire. C'est trop tard de toute façon pour nous stopper. Désolé, trop tard, pauvre bébé, tu veux pleurer maintenant? Vous trois, c'est vous qui allez crier, c'est vous qui allez pleurer, bande de thugs. Vous devez abandonner maintenant! C'est quoi ce bordel? Ah yes, pour une fois que Kevin il sert à quelque chose. C'est fini! Cette ville appartient aux gens et au maître de l'élément, et à l'Elemental Master que vous avez débattu. Mais c'est seulement entre nous trois maintenant. Abandonnez! Ah mais non, jamais ils abandonneront. Et du coup, moi je me tape le génie. Ah non, je me tape un. Oh mais non, mais je voulais me taper le commandeur moi. Ah si, je me tape le commandeur. Yes, je me tape le commandeur. C'est qui lui déjà? Alors on avait 8 et on avait l'autre. Je sais plus qui c'est. Alors Flamethrower. Je me suis pas mal entraîné et je pense que niveau 35 c'est un bon niveau. Hein. Je pense qu'on est à un bon niveau. Hop, il utilise Ventardis je crois. C'est mon attaque donc ça c'est con puisque je tape que sur le spé. Je tape que sur le spé donc ça c'est vraiment con. Pour toi c'est vraiment bête. Tu utilises une super potion, c'est très bien. Allez, on y croit. Flamethrower! Allez, c'est fini pour toi, mon pote. C'est fini. Hop, merci, Reptincelle. Tu gagnes pas beaucoup d'XP. Tu vas envoyer un nouveau Pokémon. Je m'en bats les couilles, je garde. Tu envoies un mob que je ne connais pas. 34! Ouais, 35, c'était pas mal, hein. 34, 735, c'était pas mal. Hein. Yes, tiens, prends ça dans ta gueule. Ouh, en plus, t'es brûlé. Bah, c'est fini pour toi, mec, normalement. Waouh, c'est quoi ça? Ah, c'est Lumine Insecte dans ce goût-là. C'est un truc insecte. Je serais pas de dire quelle capacité c'est, mais c'est un truc insecte. Donc, c'est un Pokémon insecte, très bien. Comment ça s'appelle? C'est un truc que les Lumivoles, ils ont. Putain, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, ça m'énerve. Mais en tout cas, t'es mort! Donne-moi assez d'XP pour évoluer, s'il te plaît, mon petit. Non, tu veux pas. Ok, bah tu veux pas. Je peux pas croire que j'ai vraiment. Je l'ai battu! Ouais, c'était trop bien! Ta gueule, gamin! J'ai perdu mon grip sur vous, Dark Organization, bande de thugs. Dernière fois, à Ipon Town. Je ne laisserai... Ah oui, non. On vous a laissé échapper la dernière fois à Ipon Town. Mais ça sera pas là, je ne vous ferai pas la même erreur. Vous trois, vous êtes en état d'arrestation. Alors, ça finit ici. De toute façon, on est ce qu'on est venu chercher. Mais il parle de quoi, ce gars? Vous nous avez peut-être capturé, mais... Le Frozen Orb. Ah bah oui, parce qu'ils avaient eu le flame orb. Vous allez avoir besoin de ça, le bande de thug. Certainement. Rino, Zoé, vous êtes de très bons apprentis. Mais je vais entrer en vous, ces orbes. Eh, vous! Mais, monsieur Lambert! Bonne chance. Ah non, il leur a donné les orbes. Putain, le trou! J'avais complètement oublié! Merde! Les gamins, il va dire au jour d'aller chercher dans un mineral cave, et vite! Oui, madame! Lambert, l'un des commandants de la Dark Organization. Vous êtes en état d'arrestation. Wouah, bonsoir! Ça fait longtemps qu'on se débat, lui, Dragon, hein, comment tu vas? J'ai rencontré Ryan ici, et il a dit qu'il se connaissait, qu'il allait aussi à l'académie.
Je sais pas ce qui s'est passé ici. Bah en tout cas, est-ce que tu veux battre contre moi en double battle? Enfin, contre nous? Ah, salut Dragon, salut, c'est sympa de te revoir. Hey, on se bat? Oui, moi je veux juste la musique. Patin. Donc on a enfin battu la Dark Organization. Dark Organization. Ils m'ont l'air tout pourri, leurs Pokémon. Niveau 26 alors que je viens de me faire un niveau 34, les mecs. Hein. C'est nul, votre truc, c'est nul. Donc le Growlithe, il appartient à mon avis à notre ami... Ah oui, j'ai appris Ice Ball, mais bon, il est pas, c'est pas super comme capacité. Je l'ai juste mis parce que je peux m'en servir plus d'un jour, je peux m'en servir. Donc ça, c'est bon. Allez hop là, t'es mort. Ah non. Tu résistes à mon pouvoir. Le Pikachu niveau 30 va piquer. Donc faut vite s'en débarrasser. Mais à la terme de ce combat, on va évoluer en Dracaufeu. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Jackie et son équipe. Je vais switch. Par contre, Bretzel, tu te sers à rien. Donc je vais prendre Lucario. Ah oui, j'ai appris Machouille aussi. Ok, le Pikachu, il est fini. Riolu, bien sûr, Riolu. Riolu, je peux me le faire rapidement avec... Ouais, avec Raptincelle, c'est bon. Et ouais, le Karate Shop devrait passer avec toi. Ça passe. Le stab. Le stab, c'est bien, les enfants. Apprenez-le. Par contre, j'ai besoin qu'il évolue, en fait, à la fin de ce combat. Hop, Riolu, c'est fini. Suivant. Hop, et à mon avis, il va nous envoyer... Ah non, je pensais qu'il nous envoyait un starter, mais pas du tout. Karate Shop encore sur le Reptincelle. Ouais, à mon avis, là, c'était pas... Je pensais pas le battre tout de suite, là, le monsieur. Ok, ça c'est fait. Très bien, Lucario gagne, tac. C'était quoi ça déjà comme attaque? Brouillard. Bécitrus. Ouais, bah non. Bah non. Oh non, j'ai oublié mon attaque. La déception. C'est fini pour toi, mon petit Reptincelle, c'est fini. Mais je veux évoluer, putain! Super potion. Je te vais, Kevin. Hop. Oh bah voilà, bah c'est fini. Bah voilà. Yes! Oui! L'évolution! Aussi fort comme toujours, hein. Tu es très fort. Tu es vraiment fort, Dragon. C'est tellement cool. Oh. Oh. J'ai Dracaufeu, oui, ça c'est bien ça, Wing Attack. Cruel, bien sûr. Et ben Growl, ça dégage. Oh putain, c'est bon ça. C'était vraiment bien, hein, vraiment un combat vraiment intense. Tu as prouvé que tu as gagné ce symbole, honnêtement. J'espère qu'on pourra se battre et gagner des symboles nous aussi. J'ai pas juste pas de Pokédex, quoi. Quoi? Mec, tu pues! Ouais, ouais, c'est vrai. Lui, c'est vraiment une victime. Lui, vous pouvez l'appeler et le frapper. Hein. Le mec, il fera, ah oui, merci. Je me sens mieux. Je suis revenu à ma place. Alors, là, il y a des Pokémon. Oh, il y a un Pachirisu. Oh. Y'a quoi d'autre là-dedans? Je veux connaître. S'il y a des Pokémon comme un Pachirisu, les mecs, je le capture et j'en fais une icône. Allez! Ah, y'a plus de Pokémon ici, ça pue. Pourquoi il fait nuit? C'est bizarre comme ville. Il fait toujours nuit. Ah, alors là, c'est quoi? Oui! Putain, oui!
Ah, oui, je veux changer mon prénom de mes Pokémon. Ah, oui. Alors, je vais devoir... Tu vas devoir prendre celui-là. Charizard, hein. C'est pas un super nom. On peut en trouver un meilleur, oui. Alors, je vais t'appeler... Barbecue. Voilà. Mais arrêtez de me demander pourquoi. Vous cassez les couilles, là. Barbecue, c'est très bien. Bar... Peu... Q. Oui, parce que j'écris barbecue, voilà. Barbecue. C'est bizarre. En vrai, j'hésite à l'appeler BBQ. Mais j'ai pas envie de lui donner des... Non. Comment je pourrais l'appeler? Je vais l'appeler la flamme. Voilà, parce que j'ai la flemme de le trouver. Putain, laisse-moi tranquille. Alors, L... A... Espace... La flamme, voilà. Je me suis pas foulé, hein, j'ai... Vraiment, j'ai bien cherché le nom. Je l'ai cherché pendant très longtemps. Hop, merci la flamme. Super. Ensuite, je veux, s'il te plaît, que on renomme Lucario Lee. Hein, les plus grands savent pourquoi. Parce que Lee, c'est la vie. En vrai, tous mes Pokémon de type combat, maintenant, je les appelle Lee. Parce que, bah, Rock Lee, c'est la vie, quoi. C'est bon, ça. Merci, Lee. Et maintenant, on a une véritable équipe avec la flamme, Bretzel, Lee et Flash. Maintenant, je veux monter Bretzel, parce que je sais pas s'il peut évoluer. Si c'est le cas, ça va me casser des couilles, parce que je vais devoir refaire le truc. Alors, là, c'est quoi? Bonsoir. Bienvenue au concours d'attrape. Oh là, ouais, le concours de Pokémon Insectes. Et bah, je ferai ça après. Putain, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Oh, je suis heureux. Oh là là, mais je suis tellement heureux. Alors, ici, il y a qui habite? La maison un peu glauque. Ok, donc en fait, c'est un père et sa fille. Très bien. Ah, j'ai totalement piqué leur maison. Bonjour, t'es qui toi? J'ai déjà surfé au nord de Silkwintod et j'essaie de rejoindre Johto, mais les courants étaient un peu trop forts. D'accord. Donc on est au sud de Johto. Toujours sympa de le voir. Oh, mon cher, est-ce que ton Pokémon est fatigué? Et si tu veux, il pourrait être reposé. Non, madame. Non, mais c'est bon. C'est bon, non, mais c'est bon. Je vais m'en aller. Je m'en vais. Je comprends vraiment pas le délire avec les grands-mères. Putain, c'est glauque. Oh là là, c'est glauque. Alors, on est parti du coup pour l'arène de type rock. Alors, c'est parti, c'est l'arène de type rock, c'est ça. Hein. Bienvenue, hein, le maître. Ouais, c'est rock. Donc, je peux prendre le type glace. Y a pas de. Ouh. Si c'est du combat double, on part avec Flash. Hein. Puisque t'as un Solarock et c'est les rocks. Oh, salut Dragon, ça va? Mais en tout cas, merci pour ton aide d'avoir mis l'arc organisation hors de la ville. Ta force, c'était vraiment quelque chose, hein. Mais bon, et tu es ici pour le symbole, n'est-ce pas? Ok, très bien. Mais ne te méprends pas, hein. C'est pas parce que tu nous as aidé que je vais rester sympa. Hein. Cet incident, ça m'a fait devenir un peu meilleur et j'aimerais vraiment que tu comprennes. Mais ne t'en fais pas, je vais me battre, c'est promis. Ah, tu vas te battre Soon. Ah, d'accord. Ah, oui, non. Oui, d'accord. Donc là, en fait, il est dans le mal, mais il va se battre, mais pas tout de suite. Très bien. Très bien. Eh bien, tu viens me mettre le seum. Non, mais je tenais à ce que tu le saches, que tu comprennes que j'ai bien le seum. Alors, on va demander au petit Cristal Rose où est-ce que je dois aller. Cristal Rose, dis-moi où est-ce que je dois aller. Alors. Va à Silkwintod. Ah, yes, on peut aller à Rainbow City. Oh les amis, on se retrouve une fois que je suis à Silkwintod parce que Rainbow City elle a la meilleure musique du jeu, donc à tout de suite. Ok les gens, on vient d'arriver à Silkwintod après des années de périple. J'ai juste mis Pokémon 2 minutes, en tout cas Bretzel il a bientôt monté de niveau et je vais poser Mini Bretzel du coup dans le PC et je vous montrer un peu les Pokémon que j'ai capturés dans le Safari, mais bon c'est pas ouf. Vous les entrez percevrez, voilà, 2 minutes. Mais bon, alors, je veux bouger mes Pokémon. Je veux bouger... Hop, Mini Bretzel qui va ici. Voilà.
Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai remarqué un petit peu que dans les Sinister Wood, si on va, hop, en Pokénav, Evamap, dans les Sinister Wood, en fait, bah, il y a une autre, il y a un autre chemin. Au niveau des Sinister Wood, il y a un chemin qui va vers là. C'est bizarre, enfin, il monte là-haut et puis après il va vers là. Donc je sais pas où est-ce qu'il nous mène, mais bon, on verra bien. En tout cas, il y a un chemin. Et j'avais hâte d'aller à Rainbow City, je n'y suis jamais allé, et en plus il a la meilleure musique du jeu, on passe plutôt, il a la meilleure musique du jeu, le petit... Non mais c'est quoi votre délire de mettre des dresseurs dans les îles? Puis surtout vous prévenez, genre lui c'est un dresseur, lui c'est un mec Namda... Non parce que là c'est pas drôle en fait, j'ai juste l'impression de taper des handicapés. non, c'est quoi votre délire quoi, je veux savoir. Hop, ça c'est fait. Ouais, tu recommenceras plus, gamin, hein, c'est bon. Hop, et là ça a vraiment la meilleure des musiques. Attention, là, on prend le Thunder Express pour aller à Rainbow City. Et alors attention la musique. Parce que là, la musique, je pense que rien. Je vais arrêter de parler pendant 20 secondes. Mais si je fais ça, je crois que je vais me faire striker. Donc on va se calmer en fait. Oh là 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 là, je n'y pense pas. Elle est trop bien cette musique. Quel Pokémon il y a là-dedans? Oui, bon, là il y a des Pokémoniacs, donc ça je m'en fous. Moi je voulais savoir quel genre de Pokémon il y a dans cette région. C'est pas la région où il y a le... Ah, oh, c'est l'évolution du... Ouais, voilà, ouais, c'est ça que je voulais vous parler. L'évolution du petit oiseau là qu'on a combattu avec Ryan et tout ça. Et ben c'est ça. Et moi ça me fait penser à Bazookan et à Picasso. Pour ceux qui jouent à Soleil et Lune. Et je trouve ça très cool. Ah, est-ce qu'il évolue niveau 36? Ah, on va enfin voir la... Oh, bah, bonjour monsieur. Vous êtes un espèce de Fantominus bizarre. Ça marche. C'est grave stylé en tout cas. Ah non, t'es un Altaria. Ok, et ben écoute, t'es mort. bah écoute, à la prochaine. Ah là là, niveau 36. Est-ce que j'évolue? Est-ce que Bretzel évolue? Pas du tout. Peut-être niveau 40. Alors, il y a quoi comme Pokémon ici? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des Pokémon de type genre cheaté? Des types niveau 20 au moins? Il y a encore des... Non, mais là, les Roucoups, je m'en bats les couilles. Genre, je veux voir autre qu'un Roucoups. J'ai vu qu'il y avait des Orua dans le avant Boulder City. Donc, je sais pas, j'ai vraiment hésité à me prendre un Zorua, mais bon, si c'est pour avoir un type... non, ok. Non, c'est pas intéressant, c'est les Magnéti, tout ça, c'est les Pokémon pas super intéressants. Si c'est pour avoir des Pokémon, genre, un peu pourris... bah, en fait, le Zoroark, moi, le plus grand de son talent, c'était l'illusion, hein, vu qu'il l'a plus dans cette gen. Coralcy, Rainbow City, Coralcy. Mais attendez, là, on est où? On est où? Dites-moi ce qu'on est. Have a map. On est là. Faut savoir que les comment ça s'appelle? Tu as trouvé le nom? Les cracks noirs, c'est ici qu'on en trouvera. Donc moi, ça me fait plaisir que ça soit à côté. Mais là, on est sur Parkle Pass, Coral Sea, et ensuite on a Hypon Town, le White Pass. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc je vais par là pour regarder qu'est-ce qu'il y a. Il y a un marin. Bah, je peux mettre Flash du coup. Hop, pour mettre Flash, bonjour. Là, ça fait du bien, vous voyez, on n'est plus dans la zone histoire. Parce que parfois, j'aime bien y aller dans la zone histoire, genre avec la Dark Organisation, tout ça. Mais parfois, j'ai juste envie d'aller me balader et de découvrir des nouvelles villes. Et si le calcul qu'on avait fait dans le dernier épisode est exact, dans Rainbow City, il devrait y avoir une arène. Parce qu'on avait dit qu'à maintenant, à chaque ville qu'on croiserait, il y aurait une arène. C'était le cas à Boulder City, normalement, à Rainbow City, il y a une arène. Donc, est-ce que ça veut dire que l'arène de Boulder City, c'est la cinquième et non la quatrième? Je ne sais pas, parce que je vous rappelle qu'on est toujours à trois symboles avec 9 épisodes, les mecs. Hein. On va très lentement. Quoique, non, c'est respectable, ça fait 3 épisodes par symbole. Non, ça va, c'est respectable. Ça veut dire que en gros, il y aurait environ... Il y a 8 symboles, 8 x 3, évidemment 24. 24 épisodes. 24 épisodes, ouais, ça se beau, 24 épisodes, c'est pas mal.
Mais après, c'est pas non plus ouf, 24 épisodes. Je veux dire... si, quand même, ça fait un bon let's play, 24 épisodes. Hein. On est qu'au 9e, là. Hein. Et là, je crois que ça va s'accélérer à ce niveau-là. Mais là, encore, on est quoi, hein. On est épisode 9, on est déjà niveau 36. Non, c'est un let's play normal, en fait, je suis en train de me dire. Non, c'est un let's play normal. Niveau 30... Putain, niveau 32, et ça déconne pas, hein, ici. Il va falloir que je monte mes Pokémon, moi. Il va falloir que je les monte. Je pense que je vais les monter niveau 45. Oui, parce que là, en fait, c'est peut-être le dernier épisode de rush que je peux faire. Donc, en fait, pour moi, le rush, c'est ce que j'appelle ça, c'est genre le fait de tourner en pack. Et j'ai 9 épisodes avant que vous voyez le premier, quoi. Donc je vais les monter niveau 45, je pense. Hop. Parce que j'aurai le temps, et donc du coup, vu que moi, je veux quand même jouer à ce jeu, je vais m'entraîner, je pense. Donc niveau 45, ça peut être pas mal, je pense. Après, l'autre, il va me faire chier parce qu'il va évoluer, Bretzel. Donc, moi qu'il évolue niveau 50, c'est une petite frayeur comme ça. Oh, j'évolue niveau 50, je fais ce que je veux. Après, on va regarder au Pokédex avec tous les nouveaux Pokémon qu'on a croisés. Peut-être qu'il évolue pas, en fait. Attendez, on dit que c'est un génie, Bretzel, mais peut-être qu'il évolue plus, hein. On va regarder. Tac, tac, tac. Non, toujours pas croisé son évolution. Parce que là, vous voyez, là, il y a le Minotaur maintenant. Non, toujours pas croisé son évolution. Très bien. Donc là, il n'y a rien d'intéressant à part les herbes pour s'entraîner. Donc ça, on s'en fout. Donc là, on avait vu qu'il y avait Rainbow Town ici. Et là, il y a des jumelles. Donc on va. Non, alors, ta gueule. On va tout de suite se les faire. On va mettre les ici. Tac. Et on va leur parler. Allez, c'est parti. Du coup, je sais pas si Bastien, enfin le mec de Boulder City, c'est un combat double avec Solarok et Celeroc. Je ne sais pas. Allez, Flash Enemy, on y va. Flash, tu peux t'occuper du Flamajou. Et Lee, tu vas t'occuper du Zébibon. Zéblitz, encore, c'est un putain de bon Pokémon, hein, maintenant qu'on en parle. Carré Shop. Hop, c'est fini pour le Zébibon. Comme ça va bientôt être fini pour le Flamajou. En vrai, Flamajou, Flotajou et Feuillajou, c'est des bons ajouts de la 5G, je trouve. Je trouve que c'est des bons ajouts. C'est une bonne idée d'avoir mis ces Pokémon-là. Ça rajoute des petites icônes à Pokémon, et ça, c'est bien. Je les trouve en plus extrêmement sympas. Au niveau des sprites, c'est pas dégueulasse. Et puis, ils sont pas foulés non plus pour leurs évolutions. Ça reste simple, basique. Moi, j'aime bien. Puis la façon dont tu les rencontres aussi est sympa. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est un casino. Oh, ouais. Ça, monsieur. Salut, est-ce que tu veux jouer à un petit jeu que j'ai inventé? Ouais, vas-y. Ok, ouais, je suis d'accord. Alors, 500. Ouais, d'accord, je suis ok. Ok, alors on démarre ça. Par là. Puis ensuite on va par là. Ensuite on prend par là. Ensuite on prend par là. Ensuite on va par ici. Puis ensuite on prend par là. Donc non, pas du tout. En fait on va ici. Puis on va ici. Attends, j'aime bien la musique. Ah, j'ai trouvé un super bonbon. Comment ça j'aurai une meilleure chance plus tard? Pourquoi? Oh, c'est génial! Ok. Et normalement, nous sommes à... Oh non, c'est la musique de la Dark Organization. Non, s'il vous plaît, non, ne faites pas ça! Pour le bien des Pokémon, c'est notre mission. Ce Pokémon ne doit pas être contrôlé par un humain. Quoi? Oh non, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous êtes en train de faire avec Électeur, putain! Ce que vous faites est mal et vous devez le savoir. Mais en plus, vous les blessez et c'est pas pour la bonne cause. Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, oh, tais-toi. Ah, oh, tu ne peux rien faire. Alors, regarde. On se bat pas, tu vois. Madame, le processus est à 83% rempli. Très bien. Oh, c'est Alizé quand même, le boss de la team bizarre. Non, le mincile est cassé. Toi, tu as détruit tout ça.
Ah non, détruisez-le. Oui, madame. Pour les Pokémon. Nous éliminons la nuisance. Ça, c'est la Team Galaxy, mec. Hein. Ça, c'est la Team... Ah non, alors c'était bel et bien la Team Galaxy. Mais non, c'est pas la Team Galaxy. C'est la Team Plasma qui va libérer des Pokémon. Oh la vache, on se calme les mecs, au niveau 32. Ouais, on va bien faire un entraînement. On va faire un entraînement de fou. Là, je vous préviens les gens, on va faire un entraînement de malade. Alors, bon, très bien. Donc, pour le bien des Pokémon, ouais. Alors, le Rhinocorne, ça va. Le Crustabri, non. Le Crustabri, le Krabicoque. C'est ça, hein. Le Krabarak. Comme quoi, j'ai des bons souvenirs de la 5G. Hop. Je sens que ça va pas faire full. Ouais, voilà, ça fait pas full. Hein. Donc, je vais faire un petit machouillette sur le Rhinocorne. Et puis, comme ça, tu pourras le terminer. Rock Blast. Ouh. 1. Ok, c'est bon, il a pas touché le bon. Ouais, donc, c'est sympa qu'il y ait deux teams. C'est sympa, ça me fait penser à Emerald avec la team Magma, la team Aqua. Puis, comme ça, on change un peu de la Dark Organisation. C'est bon, c'était marrant la minute. Ça l'est plus maintenant. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que Flame Orb et donc la Flame Orb qui a été volée à Hypon Town et comment ça s'appelle, la Frozen Orb, bah ouais, ça peut être sulfuré Articuno maintenant qu'on en parle, parce que ça faisait forcément référence à des légendaires les orbes. Et pour moi la Flame Orb c'était Reshiram, tu vois. Et vu qu'après il y a eu la Frozen Orb, on m'a perdu. Alors, à moins que ce soit des Pokémon légendaires de ces versions exclusives. Enfin, ce soit des Pokémon un peu exclusifs au jeu, bah voilà, je vois pas ce que ça peut être. Non, Elector, est-ce que tu vas bien? Ah mais non, mais Alizé avec nous. Ah merci, tu vas bien. Merci cher trainer d'avoir sauvé Zapdos. En tout cas, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Réa, je suis l'Element Master de Rainbow City. Tu es probablement fatigué, il y a un saut de Pokémon à l'ouest d'ici. J'espère que tu iras mieux. Ah! Elle m'a évidemment soigné, je suppose. Pas du tout. Elle a pas fait. Pas du tout, elle se voit les couilles. Très bien. Laisse-moi deviner, tu es Annette, toi, à droite ou pas? Est-ce que tu es Annette? Dis-moi, est-ce que tu es Annette? Si tu es Annette, je t'aime. Sache-le. Hop! Bonjour, tu as sauvé Zapdos. Tu as vu Elector, bah vrai. Elector est un oiseau légendaire provenant de Kanto. Il vient toujours nous voir. Putain, mais c'est génial. Vous avez un Elector en surnommant, les mecs. Je kiffe. Ah oui, il reste là. Le mec, sans pression. Sans pression, le mec. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que s'il faut pas du tout que j'aille me battre. Hein. Va te battre contre les Monsters. Ok. Ok, ok. Très bien, très bien. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Bonsoir. Toujours curieux, moi. Rainbow City. Ok, donc là, à mon avis, on sort du Rainbow Path. Très bien. On va juste prendre l'objet qui est... Hop, ici. J'ai trouvé du zinc. C'est bien qu'on chope une canne à pêche. Parce que je veux avoir un Pokémon haut. Ah, donc c'est Eva, hein. C'est là, une place vraiment sympathique. Ah, et, soyez... Oula. Soyez prudent, Matelot. Il y a un groupe appelé la Dark Organisation qui sème le trouble ici. Alors, surtout, si je serais vous, n'allez pas chercher dans les affaires des autres, hein, d'accord? Mais où est-ce que vous venez? Oh, je suis juste ici en tant qu'ami. Mais ne vous inquiétez pas. Est-ce que je te connais? Bon, alors, enfin. Ouais, en tout cas, je m'appelle Blitz. J'ai bien juste arrêté de la région de Gento. Peut-être qu'on se verra une autre fois. Salut! T'as une canne à pêche? Oh! Je peux aller à la région de Gento? Ok, ce let's play va durer 700 épisodes. La région de Gento, pour ceux qui savent pas, c'est Reign of Legend, le prochain Ruby Destiny que j'ai envie de vous faire. Et Blitz est un personnage qui est dans la région de Gento. Oh là là, je peux changer la région, c'est génial. Et on se bat ici? On se fait quoi? On se fait une bouffe? On se bat ici? Moi, je te défonce quand tu veux, hein, mais bon, maintenant, comme ça, ici, très bien, ah bah on y va. Oh, salut Dragon, merci encore pour avoir sauvé Daz, pour savoir sauver Elector. Elector, il peut rentrer chez lui maintenant. Mais je suis sûr qu'Elector, va prendre soin de Rainbow City.
Donc je ne suis pas sad, je ne suis pas triste qu'Elector s'en aille. Est-ce que tu veux te battre contre Rhea avec Elector dans un match officiel? Bien sûr. Bien sûr. Ok. Genre je peux me battre contre eux. Mais non. Elle n'a qu'un seul Pokémon? Oh yes. Oh ça va picoter. Oh ça va picoter. Ah je veux essayer. Non mais je veux essayer. Non. Moi je pense que je peux y arriver avec Freezer, j'allais l'appeler. Ah ouais, il faudrait peut-être que je leur nomme Freezer. Hein. Avec Bretzel, je peux peut-être y arriver. Ok. On essaye quand même. Ok, très bien. On va essayer de l'avoir. Ah, il fait reflet. Une technique qui ne me plaît pas du tout. Ah putain, ça commence. Ok. Bec vrille. Mais bon, c'est très bien ça. Il a pas d'autres attaques que des tas d'attaques type. Oh oui, paralysé, c'est bon ça. Tiens. Elle lui met très bien. Elle lui met un full heal qui veut dire total soin. Hop. Ok, paralysé encore. Bouh. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Elle lui met une super potion là cette fois-ci. Effectivement, elle a des super potions en plus, donc il va falloir faire gaffe. Elle lui remet. Ah non, là cette fois-ci, elle lui met un total soin. Vas-y, essaie de le reparalyser, tu serais bon là. Allez, c'est bon. Allez. Ah, tu l'as pas paralysé. Ouh, non, il a bel et bien une attaque de type électrique. Bon, ça me fait rien, mais en tout cas, donc ça c'est bon. Ah si, ça fait quand même des dégâts. Ah oui, bah oui, en même temps, c'est son type. Ok, très bien. On va essayer d'en mettre un dernier. Ok, elle remet une super potion. Il est quand même niveau 50, hein, faut pas déconner. Il est quand même niveau 50. Et c'est la fin. C'est la fin de Flash. Ok, il y aura forcément des sacrifices dans ce match. De toute façon, je m'attends pas à ce qu'on y arrive. Je pense que gagner serait une illusion. Ça serait me bercer d'illusion de dire que je vais y arriver. Ok, il remet une wing attack. C'est pas grave, je tiens bon. Putain, Bretzel! Back drill. Oh, ça a piqué. Ok. Moi, je veux juste que tu lui en claques un et que tu le gèles. Allez, gèle-le. Oh, c'est bon, ça. Oh, je lui baisse quoi, son attaque? Ok, j'ai quoi dans mon sac? Est-ce que j'ai de quoi te soigner? J'ai une super potion, mais ça va rien de faire, ça. J'ai un full restore. Oh, yes. On l'a pas vendu, c'est bon, ça. Ok, on l'a restauré, ça, c'est bon. Drill peck, mais vu qu'on t'a baissé ton attaque, ça doit faire moins mal. Ok, c'est bon. On rebime. On peut... Oh putain, enflure. En tout cas, elle a pas utilisé de super potion, donc ça veut dire que elle en a plus. Normalement. Hein. Ok, wing attack. Ah, et ça pique. Oh, rebime. Allez, on est bon. Oh, le coup critique. Oh, yes. Ah, bah j'ai gagné. Ah, bah j'ai gagné. Hein. Ah bah j'ai gagné. Hein. Tu peux le buter, je m'en fous. Tu peux le buter, je m'en bats les couilles. J'ai un Lucario, il a vu l'attaque. C'est fini. Oh, on a gagné. Contre un putain d'Elector, on a gagné les gens. Oh bah je m'ai pas fait. Oh merde, j'ai pas fait vite. Oh merde. Oh bah c'est bon. On est bon. Ah, oh, on a gagné. Oh mec, le critique. Oh, j'adore la part de chance dans ce jeu, elle est géniale. Oh là là. Putain. Oh, 4000, ah oh bah là, mais c'est mérité, hein, avec... Bah, non, même pas, c'est 2000, parce que j'ai l'amulet coin. Oh putain, c'est 2000, oh, c'est pas du tout mérité. Oh, tiens, voici ton symbole, tu l'as gagné. Le symbole du pouvoir. A plus tard. Oh, j'ai oublié. Oh putain, on pouvait se battre contre Rhea, mais d'une autre façon. Oh, mais non. Genre si j'entre dans l'arène, là t'es en train de me dire qu'il y a les dresseurs et tout. Mais non, tu fous ma gueule. J'ai niqué l'arène. Il y avait un Pachirisu. C'était une arène de type électrique. Bah je suis content qu'elle soit... Honnêtement, je pense que j'en aurais chié. En tout cas, j'adore Rhea puisqu'elle se bat avec un Pachirisu. Et moi c'est mon Pokémon préféré. J'adore. Parce qu'en fait, on se serait battu contre Rhea. Non mais je m'en bats les couilles, lui, ta gueule. On se serait battu contre Rhea, genre, avec toute son équipe électrique. On aurait douillé. Non mais je vais vous dire la vérité, on aurait douillé. Mais là, vu qu'on a totalement triché, autant vous dire que c'était facile. En fait, comment vous expliquer ça?
J'aurais été contre des types électriques, j'en aurais ultra chié. Mais là, vu que j'étais contre un type électrique vol, et bah, Bretzel, il a fait tout le travail. Hein. Bretzel, il a fait un travail de folie. Et je le remercie d'ailleurs pour ça. Oh là là là, putain, je suis content. Oh là là, je suis content. Je suis heureux. Donc du coup, on a 4 symboles maintenant. C'est très bien. Putain, je suis grave heureux là. Ah, je suis grave heureux. Je peux pas vous dire à quel point là, je souris. Ah, putain, c'est bon. Ah là là. Ce coup critique de la muerte, mon pote, c'était parfait. J'espère vraiment que ça enregistre là. Hein. Voilà, voilà. Où est-ce qu'on doit aller maintenant? Parce que ça, c'était facile, c'était rapide, c'était intense. Hein. Putain, c'est une grande ville à Rainbow City. J'aime bien par rapport à Boulder City où c'est un peu vide, un peu dégueulasse. Là, Rainbow City, c'est bien. C'est sympa. C'est convivial, c'est super. Putain, en plus, je suis sûr qu'il y avait des lasers dans son arène. Je les ai tous mis au chômage. Oh là là. Cette battue contre le. Contre le putain de lecteur, c'est génial. Mais je dois aller où, moi? Où est-ce qu'il y a un truc pour me conseiller? Bonjour. Toi, non, tu peux pas aller là-bas, reviens plus tard. Non, il y avait le cristal, en fait. C'est pas pour ça que je viens, moi je viens pour le cristal. À mon avis, il faut que je retourne à Boulder City. Mais les allers-retours, ça commence à me saouler. Très bien. Bah, reviens à Boulder City, hein. Voilà. Somehow, I feel... go to Vextra Forest et it exists, just go south to reach Boulder City. Vextra Forest, c'est par où? Non, non, non. La Vextra Forest, bah ouais, je sais que c'est par là, fraté. Hein. Ah, mais je peux. Ah, d'accord, mais je peux peut-être revenir comme ça. Y'a personne qui peut m'apprendre vol là? Bah non, c'est pas non, c'est type électrique. C'est pas que le paf. Ouais, là, à mon avis, ça va vraiment demander de l'entraînement. Oh, je suis désolé, les gens. Je suis désolé, mais ce Pokémon, c'est juste la vie pour moi. C'est le totem pour moi. Je suis désolé, faut que je le capture. Hop. Hop, on le capture. Et on l'appelle le totem. Non, je vais l'appeler Pachy, comme je l'ai toujours appelé. Oh là là, c'est tellement bien comme Pokémon, ça. Putain. Allez, hop là, rentre là-dedans, toi, tu la mérites, ton Ultra Ball. Hop. 1, 2, 3. Capturé. Oh là. Pachirizou, mon pote. Je vais lui faire une boîte à lui tout seul. Je suis fan de ce Pokémon. J'adore ce Pokémon. Les gens, ils préfèrent Pikachu. L'autre, il préfère des Arcanins, dans ce goût-là, des Ectoplasmas. Bah, moi, je suis. Mignon tout plein. J'aime bien Pachirizou. Et puis que sa petite bouche comme ça, ça m'a toujours fait kiffer. J'aime bien les Pokémon type électrique surtout. Pachirizou. Le dieu. Le dieu Pachirizou. Ensuite. D'accord, donc là il y a un putain de Gwibbit. Est-ce que tu peux dégager? On est censé être sur Coral Sea là en fait. Ah mais peut-être pas en fait. Ah sinon, c'est bon, Coral Sea. Ah, dis-moi qu'il y a des Pokémon type eau là-dedans. Oh, il y a une chèvre. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle mange là? Savez-vous le Shunky, ça, Mihawk? Minikak, c'est quoi déjà? Savez-vous le Shunky? Attends, on va regarder dans Pokédex. Pokédex. Minikak. Minikak. Il me semble qu'il est un peu plus loin. Je sais plus de qui était l'évolution, mais je crois que je te connais. Minikak. Hop, je vais pas non plus trop vite. Oh, Bitot, qu'on a croisé la dernière fois. Ok, ok. On n'a pas encore croisé de feuillage. Ouais, moi, pour moi, c'était son évolution à lui, ouais. Mais pas du tout, c'est encore un mec random. Minkak, c'est pas celui qui a la fin. Setter, Riolu, Rhinorn. Minkak. Gabrielion, Felina. Bon, on n'a pas croisé Minkak. Bah, Minkak est un Pokémon inconnu. Écoutez, putain, mais je voulais avoir des... Oh, Meditica. Meditica. Putain, c'est mon envie de jouer à Diamant et Perle, ça. Parce que je croisais beaucoup Meditica dans le...
Non, diamant et perle, je crois que ça, je crois. Alors, bonjour. Twilight Path, Sparkle Pass. Donc Coral Sea, parce qu'on peut se déplacer que à d'autres Pokémon, c'est ça. Donc, il faut que je retourne à Boulder City. Écoutez les amis, on va s'arrêter là, on va s'arrêter près de Coral Pass pour ce 9ème épisode. La prochaine fois, je reviendrai à Boulder City, c'est promis, je vais juste rester ici, m'entraîner un peu. En tout cas les amis, je suis content d'être arrivé ici, d'avoir fait tout ce chemin. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, moi c'était un plaisir de le tourner. J'espère en tout cas que pour le moment les 9 premiers épisodes vous auront plu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais tourner le 10ème. Je ne sais pas si le 10ème sera tourné quand l'épisode 9 sera sorti. J'en sais rien les amis. En tout cas, si la série fait une pause, je suis désolé. J'ai pas pensé. Voilà. Mais normalement, elle devrait pas faire de pause parce que j'adore ce jeu et que je vais essayer d'en tourner le plus possible. Mais bon, là, je suis plus en période libre. Donc, je suis obligé de travailler aussi. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis, commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 10. Et oui, 10 déjà, de Pokémon Ruby Destiny Life for Guardian avec tous nos Pokémon niveau 45, c'est promis. C'est 368. Allez, bye!